Et nous revoilà. Donc, on va passer sur Dark Souls. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. C'est le jeu où t'as les meufs qui font de la bouffe, c'est ça? Ah, c'est un beat'em all à la base. Que moi, de ce que j'en ai vu, c'était un truc où t'as des meufs qui font de la bouffe et qui se bastonnent, et du coup, quand elles. Genre, il y a des finishes. Bon, donc nous en étions là la dernière fois, la fameuse forêt. Donc, alors, de ce que m'a dit Adrien, apparemment, c'est pas du tout ici qu'il faut que j'aille. Genre, pas du tout. Ah, le spin-off avec la bouffe, c'est que sur Vita. Et du coup, sur 3DS, c'est un beat'em all. Il y en a un aussi sur 3DS que j'ai vu. Mais sérieux? Dégage, dégage, dégage! Dégage, dégage, dégage. Merde! Bon, moi, je suis juste à côté. Bah, tu vois, hein, tu te plaignais que je mourrais pas assez. Bah, voilà, là, je meurs directement. Ah, mais voilà les plantes vertes, quoi. En plus, le truc, il me suce le sang jusqu'à l'infini. De lichen. Donc quand il fait ça, faut que je m'éloigne. Ok, alors il faut que je sache à peu près où est-ce qu'il aille. Parce que oui, donc de ce qu'on me disait, c'est pas du tout ici qu'il faut aller en fait.
Merde. Non, c'est pas un objet, c'est juste la fleur. Ah oui, non mais... Complètement. Complètement. Il m'avait dit qu'il fallait que j'aille vers les égouts. Je n'ai aucune fin d'idée de ça peut être. On va y avoir le démon super de bite là. Voilà. Well, hello again. You seem to need anything. Ouais, mais je sais pas, j'ose pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord monter au feu là-haut et je vais tenter. On va faire comme ça. Et je crois d'ailleurs que je l'ai amélioré le feu qui est ici. Je dis pas de conneries. Ouais, je l'avais amélioré, ouais. Bon, on va tenter. Ah oui, bah oui, je me doute bien, ouais. Merde. Tu protèges pas aussi. Merde, quel coup.
Merde! Je vais mettre 3 plombes. Restez collé sur le côté droit. Ah oui, ça marche bien. Celle-là, je l'ai cherchée. Hein. Ok, bon, j'ai compris. Par contre, le loquer, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc. Mais protège-toi! Allô? Tout va bien, tout va bien.
Oh bah putain. Yes. Ouf. Merci pour le conseil, Alexandre. Wouhou. Voilà. Donc maintenant on va chercher vraiment le vrai endroit où je dois aller. Là pour en fait j'ai déjà sonné la première cloche. Parce que j'ai battu la gargouille. Du coup je teste maintenant les murs parce que comme l'autre fois j'ai vu qu'il existait des murs cachés. Je me dis pourquoi pas. Après tout, on ne perd rien à essayer. Donc ce qu'on va faire, je pense qu'on va revenir au début. Il n'y a pas d'autre chemin. Ah, faut retourner à l'endroit où il y avait le chevalier solaire. Ah, là où il y avait le dragon. On va faire comme ça. Je vais remonter alors. Je vois exactement où c'est. Allez, attaque-moi.
Bouge, mais je... Ouais, je dois avoir la clé pour y aller, ouais. Ah bon, il est là. Est-ce qu'on retente de faire le sac à foutre là-haut ou pas? Je sais pas pourquoi je le sens bien. Ouais, j'ai dit de la merde en fait. Il faudrait qu'il soit plus léger. Ah, ça peut se régler, hein. Ah, le chevalier noir il m'a dit non, t'es mort, tu ne passeras pas par moi. Après, le truc, c'est que si je change trop le poids de mon perso, enfin, j'ai été obligé d'utiliser des trucs pourris, quoi. D'avoir une défense de chiasse. Ouais, bah oui, bah je me doute, les roulades c'est un peu la base du gameplay de ce que j'ai compris, mais... C'est vrai que le truc, c'est comme elles sont pas rapides, je pense pas à les faire en fait.
truc, c'est que j'imagine. Ouais. Enfin, il est trop lourd, mais. Entre poids et défense, enfin, je veux dire, il faut choisir aussi, quoi. J'ai pris un chevalier, donc, de base. C'est logique que mon perso soit lourd, il est plus basé sur la défense que sur l'esquive. Est-ce qu'il y a le poids total quelque part du perso? Poids d'équipement, valeur élevée, déplacement ralenti. D'accord. Et est-ce que... Non, c'est vraiment que mon équipement qui gère mon poids. Ouais, d'accord. Écoute, on va faire ça. On va baisser le poids. Ah ouais, c'est déjà mieux, ouais. Par contre, mon perso ne ressemble plus à rien. Ah, par contre, il attaque plus vite. Ouais. Je sens la différence. Ah oui, il va beaucoup plus vite. Il fait moins de bruit quand il se déplace. Wow. Oh non, t'es sérieux? Oh non! Oh putain! Est-ce qu'à un moment je tombe? Ah oui, mais tu tombes à l'infini en fait. Ah oui, quand même. Oh putain. Oh le bug de merde. Oh le bug de merde. Oh, je suis dégoûté. Ah ça, tu vois, c'est typiquement le genre de truc qui me casse les couilles. Se faire niquer par un bug. Ça, c'est bien de la merde, ça. Tu sais, tu peux même pas te dire genre c'est ta faute ou quoi, là c'est vraiment... C'est genre le jeu dit non.
En espérant que ça me le refasse pas. Ah, au moins il m'a remis mes amis. Ça va. Il passe bruit. Mais niquez-vous les rats! Mais non, non, non! Ah, oh, les putains de rats, quoi. Bon, donc nous retournons là où nous avions dit. Voilà. Ouais, bah j'imagine bien, ouais. C'est pas des ratatas là, c'est des ratatacs au moins. Voir des méga ratatacs. Ça n'existe pas, mais bon. À faire comme si. Donc. Voilà. Crache ton feu, mécréant. Je pense pas qu'il allait cracher deux fois. Ah oui, d'accord, en fait il crache tout le temps. Je crois qu'il crachait une fois et après il me foutait la paix. Mais non, non, non. Je vais pas mourir là quand même. Is a wondrous body, if only I... Oh, hello. Okay. En fait, c'est où que vous vouliez que je passe? Par là? Ah ouais, en fait, je voulais que je repasse juste au niveau du village des morts-vivants. En fait, je suis revenu trop en arrière. J'ai fait le... Voilà. Merde! J'ai glissé, chef! Oh merde! J'ai glissé! Ah mais je suis pas habitué à ce que mon perso il soit si rapide en fait.
Wow. Un vieux bug là. Comment je fais pour passer pour aller de l'autre côté? Sans me faire buter. Ouais, faut que je cours direct en fait. Ah, c'est ça, si je suis trop loin, après il me voit plus. C'est juste que je suis obligé de me prendre au moins. Un feu dans la gueule. Alors. Hop, descendre, voilà. Le jeu a décidé de bugger ce corps. Enfin, bugger, là c'est moi qui fais de la merde juste avant, mais... sommes-nous donc? Oh non, il y a des chiens dégueulasses. Ah, je sens que j'ai pas aimé cet endroit. Ah, mais non! Mais non! Pourriture! Pourriture communiste! Ah, calme-toi, le yinche. Ah, y'a un raccourci en haut. Ouais, bah je m'en suis douté, c'est pour ça que j'y vais. Pour essayer de créer un nouveau raccourci. Tac. Eh, salut! Vous m'attendiez? Ah oui, ce raccourci, d'accord. Ok, ça te ramène ici. Oh, mais c'est génial. Ah, j'achète. Par contre, que je fasse gaffe de pas tomber comme une chiasse. Oui, du coup, le chemin de base, c'est là, ouais, et puis ça te fait un raccourci de l'autre côté. Ok, c'est juste moi qui ai fait de la merde. Oh putain, on croirait les chiens de Resident Evil, là. C'est sympa comme endroit, hein. PNJ de la zone, c'est-à-dire. Oula. Bah, je vais attendre un peu avant de faire copain-copain. Se passe. Oh, ils sont plusieurs. What? What? Il leur arrive quoi, eux, là? Niquez-vous. Est-ce que moi, je viens vous casser les couilles? Wouah. Genre, il y a des assassins et tout. Ah, mais c'est d'autres carcasses, en fait. Putain. Oh. Ah oui, si, je lui ai déjà parlé au marchand, ouais. Et pourquoi le marchand m'a cassé le cul? Brise armure, tiens, c'est quoi ça?
Ah oui, c'est une... Ok. Une arme qui a certainement un principe de dégâts pénétrant ou une connerie comme ça. Sont tous mis d'accord pour me casser le cul quoi. J'ai passé l'autre côté. Voir si tu peux... Eh oh, tu m'attaques. Un truc qui m'attaque, j'aime pas ça et je n'arrive pas à savoir où il est. Ouh, sympa ça. C'est le mec en haut, c'est tellement qui m'attaque. Ah. Donc ouais, là j'imagine qu'il y a un boss. Okay. Oui, j'ai acheté la clé de la... Je l'ai acheté. Ah d'accord, donc il est bloqué dans le décor. Ok, donc je ne pourrais pas l'avoir. Normalement, j'imagine qu'il est censé sauter. Le problème, c'est que le script n'a pas ouvert la porte. Ça, c'est problématique. Bah, je vais retourner après, si vous voulez, dans la cité des morts vivants, que je vous montre un petit peu. Ça va, il meurt en un coup. Ok. Donc il n'y a rien ici. Après, me dis pas tout le jeu non plus, hein, parce que bon, c'est gentil hein, de vouloir m'aider. J'ai pas, hein, mais. Aussi que je trouve par moi-même, tu vois. C'est plus intéressant de faire le jeu par soi-même. On soit d'accord. Ah oui, tac, il fallait que je le voie. Ah, je suis bien plus fringant comme ça. Et descends, Maro. Oh putain! Évidemment, angle mort, j'aurais dû m'y attendre. Évident qu'il y en avait un qui se cachait.
Ah, ben voilà. Pas les endroits où il n'y a pas beaucoup de lumière comme ça. Tiens, je pense, est-ce qu'il y avait une porte bloquée au tout début? Enfin, au début du jeu, quand j'étais allé. Est-ce que c'est celle-là? Oui. Et là, je vais revenir au camp de. C'est ça. Et là, normalement, je reviens au début du jeu. Voilà, ceinture liche de feu. Qu'est-ce qu'il me semblait. Ok. Bon, raccourci débloqué. Ah, je peux sauter comme ça? Voilà, donc le raccourci, je l'ai. Non mais il y a une porte là mais je peux pas l'ouvrir en fait, il me faut une clé que j'ai pas. Donc je pense que c'est la porte dont tu parles mais... Somebody, anybody, help me. Damn, I'm finished. How did this... Brilliant, thank you. I am Griggs of Vinheim. I am much obliged for your assistance. Oh, hello. I'm fine.
have my sorcery. And I will be... Besides, I have an important task. Ah oui, mais c'était un sorcier. I have my sorcery. Besides, I... Et du coup, ça sert à quoi de le sauver, lui? C'est bien beau tout ça, mais... Ah, salut Gabi. Ah bah c'est cool. Oui, bah oui, t'inquiète pas. Bah, c'est sympa, si tu peux venir tous les mardis, c'est cool. En plus là maintenant je vais attaquer du Dark Souls. Comme tu peux le voir ici présent. Ow. Still keeping it and go ahead. Never hurts to split. The Walking Dead, j'ai fait la fin tout à l'heure, enfin la fin de la saison 2. Non, je serais là. Voilà. Avançons gaiement. Envie de leur décaler la tête à ce point. Ah bah oui, bah c'est le mec qui était là. Il a fait le... Ah oui, du coup en fait c'est juste là. Hein.
Je me souviens comment je galérais ici au début. Ah, j'ai voulu faire le chifou là. J'ai voulu complètement faire le fifou et j'ai fait de la merde. Ah, t'aimes pas trop Dark Souls? Ah. C'est sympa pourtant. Bon, après, c'est... Oh, comment dire, c'est particulier dans le sens où faut aimer souffrir. Ah bah oui, bah c'est le mec qui était là. Il a fait le... Ah oui, du coup en fait c'est juste là. Hein. Je me souviens comment je galérais ici au début. Ah, j'ai voulu faire le chifou là. J'ai voulu complètement faire le fifou et j'ai fait de la merde. Ah, t'aimes pas trop Dark Souls? Ah. C'est sympa pourtant. Bon, après, c'est... Oh, comment dire, c'est particulier dans le sens où faut aimer souffrir. Mais bon, ça a son petit charme. Non, tu ne te soigneras pas, mes créants. Alors, est-ce qu'on tente le gros? Ok, bah à tout à l'heure. Putain, mais les carcasses, elles sortent la fiole des direct, quoi. Oh. Allez. Les vieux cris qui fait mon perso quand il se prend des coups. Oh. Ah, fragment de titanite, ça c'est bien ça. Bon. On retente. Mais non! Ah, oh, je me suis pris tous les trucs de la terre, mais gratuitement, quoi.
Viens, on va se battre dans un plus grand espace. On va se battre dans un plus grand espace. Mais non! Ah, j'avais compris le truc. D'abord, j'essaie de le battre lui, parce que là, je sens qu'il y a moyen. C'est juste que... Attends. Déjà, faut que je change mes trucs équipés. À chaque fois j'oublie, c'est lui qu'il faut tuer en premier et c'est de la merde. Alors je vais me débarrasser des deux parce qu'il me casse les couilles. J'ai perdu de la vie tellement bêtement. Wow. Il m'a encore fait le coup de tiens, je passe à travers le décor. Putain, il est tellement plein de bugs le premier Dark Souls. Allez, cette fois-ci on lui fait le coup par derrière. Et j'avoue, avec la roulade, hein, c'est beaucoup plus pratique. En plus,
plus j'ai vu tu peux faire enchaîner un petit truc, c'est la roulade. Putain mais... Attends, on va l'emmener dans mon endroit de prédilection. Viens là. Merde! Mais quel con! Ouais, bah j'ai l'impression que le truc ça bug vraiment quand je glisse en fait. C'est... Et on est reparti. Mais t'es sérieux? Mais... Alors déjà, je me prends des coups... Je me prends des coups gratuits. Et genre là, je fais une truc sortie nulle part, alors que tout à l'heure, je galérais à les faire. Ah, ça m'énerve. La gratuité. J'ai oublié le l'archer. J'ai fait de la merde, vraiment. Vraiment, je me défends pas, je fais truc, je veux trop rusher pour retourner à l'endroit où j'étais. Et du coup, je fais de la merde.
Allez. Ah, j'ose pas le faire le coup comme ça parce qu'à chaque fois je le rate donc. Bon. On va essayer de la voir ce coup-ci. Putain, mais c'est pas vrai ça! Je suis collé à lui et il veut pas faire l'attaque quoi. Viens là. Merde, merde, merde. Mais non, je l'ai fait. Pourquoi il a pas fait d'esquive? Il a rien fait, il a fait comme ça. Oh, ça m'énerve, je suis à ça, quoi. En plus, j'ai fait un vieux coup en traite, là, c'était plutôt bien placé. J'étais content de moi. Putain. Ah, il est trop loin, il m'aura pas. Eh, bien sûr que je vais y arriver. Mais non, mais... Et voilà. Et il fait jamais le coup de pied quand je veux. Et quand je veux pas, il le fait, mais day one. Depuis quand t'es descendu toi? T'arrives quoi? La gratuité quoi. Pourquoi ça ne marche pas?
Ouais, d'accord. Ouais, donc là c'est vraiment, en fait je pouvais rien faire à partir du moment où je me suis pris le premier coup. Pourquoi il a pas voulu faire le plantage d'épée là, c'est dingue ça. Me fait spammer à l'infini. Mais non! Ah merde, j'ai pas mort. C'est vrai qu'il faut mettre deux coups, allez. Yes! Oh putain! Ah oh, j'ai niqué couille molle. Putain! Ah oh, c'est pas trop tôt.
Putain, elle en voulait, hein. Oh là là. Bon, mais c'est bon, j'ai compris la technique maintenant, mais c'est pas évident. Faut vraiment prendre son temps. Y aller par petits à-coups, mais... Au final, ça passe. Bon, maintenant, revenons à nos moutons. Déjà, on va aller... Vraiment besoin... Non. Allez. On continue. De toute façon, je reviendrai là, quoi, tu viens. Donc... Ah, il se bourre à ce chien. Et le mec de tout à l'heure, il peut pas me filer un coup de main? Oh, hello, I'm fine. I will rest, I have my sorcery. Besides, I have... Ouais, c'est un marchand et du coup faut d'abord que je retourne au sanctuaire Liche de Feu pour que lui revienne en fait. J'imagine que c'est un délire comme ça. Oh non, mais non, non. Nique ta mère. Mais genre, d'où il me fait un counter comme ça? Ouais, d'accord, en fait c'est des couteaux qui m'envoient. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au sanctuaire Liche de Feu. Ça, je reviendrai directement ici. Ce sera mieux comme raccourci. Parce que là, c'est la galère. Dégage, dégage, dégage! En plus, il se laisse faire!
Mais non, mais attaque pas! Putain, il fait les actions 3 heures après que je lui ai demandé, quoi. Voilà, niquez-vous. Comme ça, je rechargerai ma fiole, parce que là, c'est la de mer. C'était par là, le raccourci, on est d'accord? De toute façon, repasser par le sanctuaire, c'est ce que j'ai mis à faire, ça me fera un raccourci plus sûr et puis plus rapide en fait. Ah oui, il y a les connards. Je les avais oubliés, cette espèce de con. De toute façon, eux, maintenant, je les nique en un coup. C'est pas ça le sens. Voilà. Et du coup, lui, il est ici maintenant. Comment il a pu venir jusqu'ici tant que moi, je me rends compte. Oh, hello. Terrific to see us both in. And pray that you never go hollow. Je sais pas si t'as vu, mais je suis déjà une carcasse là, en fait. Allez. Alors déjà, on va faire. On va utiliser toutes les armes qu'on a sur nous. Alors, voilà, c'est déjà mieux. Oh, hello, terrific and. Cool.
Ah, il faut que j'attende avant qu'ils vendent des sorts. Ça va aller un moment. Ah, je me fais prendre de tous les côtés par des monstres pourris en plus. Par vous calmer, monsieur Flamé là. Les flammes, ça va 2 minutes. Hein. Voilà, maintenant je vais prendre 2 coups, c'est bien. Allez, on va traverser la fumée. Ouh là là. Oh, ah, il est sérieux lui. D'entrée de jeu comme ça. Ah. Et moi j'étais pas préparé mentalement, psychologiquement, tout ce que tu... Oh, oh la vache. Waouh, il a pas le temps de niaiser le truc. Oh merde. Putain, mais il balance des trucs, t'as même pas le temps d'esquiver. Et autant toi, la précision, c'est pas ça, autant lui, il n'y a pas de souci. Hein. Accuracy 100%.
Bon, je vais retenter, mais après, je pense que je vais m'arrêter là parce que demain, faut que je me lève tôt, donc. Ça va pas trop durer non plus. Mais à mon avis, ouais, faut pas rester devant dès le début, faut essayer de s'échapper déjà. Et à mon avis, je pense qu'il y a moyen de sauter depuis un rebord. Parce que j'ai cru voir des escaliers sur le côté, mais à voir. Non mais il est à zéro de life quoi. Au zéro d'hôpital. Mais non. Oh putain! Putain, mais nique-toi! Mais allez, mais laisse-moi le temps de vivre. J'hallucine quoi. Ah, tu vois, je suis derrière lui, je suis collé. Et je lui fais pas le truc, quoi. Là que les autres ils se mettent à faire des trucs qu'ils ne faisaient jamais avant. Genre gratos quoi. J'entre, je me fais buter mais genre direct. Je peux rien faire. Je vais retenter une dernière fois, mais ça va être ma dernière. Vite.
Mais... Ah... En même temps, il peut pas faire une estoc juste. Ça qui est chiant, c'est qu'il peut pas faire des stocks, en fait. La fois, il fait un grand moulinet de... Ça sert à rien de faire ça. Fais une estoc en plein dans la tête du rat et c'est bon, t'es tranquille. Ah non, mais c'est même pas des essais ce que j'ai fait, hein. Bon, je vois le genre, mais ça m'énerve, il me faut un coup, je suis mort. Ah oui, d'accord, donc avec ça il fait des estocs.
c'est pas mal ça. Bon, ok. Bon, on va s'arrêter là, mais en tout cas, je vous donne rendez-vous donc mardi prochain pour la suite. Et on va se le faire, ce monstre de merde. Moi, je vous le dis. Allez, ciao!